20 élèves en vue de renforcer les capacités des femmes pour une meilleure participation dans la vie active, dans la vie administrative. Une meilleure participation des femmes dans la vie économique, dans la vie sociale, dans la vie administrative, mais plus dans la vie politique. Madame la représentante du maire, Madame la coordonnatrice du projet, Madame la représentante du président du conseil départemental, Dr. Antessar Diako, Mesdames et Messieurs, en vos noms, rang, grade et titre, je suis heureux de venir participer à cette rencontre pour initier des échanges afin de donner plus d'aptitude et de disposition aux femmes du département de Dagana afin qu'elles soient mieux outillées pour renforcer leur présence dans le milieu si compliqué qu'est le milieu de la politique. Comment les femmes doivent renforcer leur participation dans le secteur de la politique et comment elles doivent être, quelle est la posture à adopter pour qu'elles puissent mieux être représentées dans les instances de décision. Je pense que la question du leadership féminin est une question globalisante qui fait intervenir plusieurs autres notions. La notion de participation, la notion de valorisation, la notion de compétence, la notion aussi de gouvernance. Il me plaît de donner un point de vue sur le sujet, parce que je suis un peu tenaillé par une contrainte de temps. Quand on parle de notion de leadership, le terme en lui-même fait ressortir plusieurs autres termes. Quand on parle de leadership, on parle aussi de connaissance. De connaissance de soi, d'abord, à mon avis. On parle de connaissance de son milieu. De connaissance de son potentiel. Et de connaissance aussi du milieu dans lequel nous évoluons. Aussi faire ressortir le besoin d'apprentissage. Toutes ces notions intègrent la notion leadership. Pour que les femmes puissent devenir des leaders dans les secteurs dans lesquels elles évoluent, il faut d'abord qu'elles apprennent à se connaître. Comment on apprend à se connaître ? On ne naît pas leader, on le devient. Comment on le devient? On mesure l'étendue de son potentiel, l'étendue de ses aptitudes à pouvoir influencer son milieu, à pouvoir influencer tous les autres acteurs qui tournent autour d'elle. Et c'est en ce moment-là qu'on devient un leader. Il faut apprendre aussi à connaître son milieu. Une femme qui évolue dans le milieu politique est différente d'une femme qui évolue dans le milieu administratif, différente d'une femme qui évolue dans le milieu social, différente d'une femme qui évolue dans le milieu de prise en compte des questions de développement. Tous les milieux ont des interactions, certes, mais les milieux diffèrent des uns et des autres. Pour être leader dans le secteur précis de la politique,
il faut apprendre à connaître les données sociologiques de son milieu. Et surtout, apprendre à identifier les contraintes majeures qui empêchent ou qui entravent l'épanouissement des femmes dans le milieu politique, ou l'épanouissement des femmes dans le milieu administratif, l'épanouissement des femmes dans le milieu social ou dans le secteur du développement. Je pense, je crois comprendre que ce sont toutes ces thématiques-là qui vont être débattues aujourd'hui pour que vous soyez suffisamment outillés pour pouvoir évoluer dans vos secteurs qui vous préoccupent en ayant en conscience qu'il faut davantage être outillé pour pouvoir affronter le milieu. Le milieu politique, c'est un milieu de concurrence. C'est un milieu de choc des ambitions. C'est un milieu aussi où il faut savoir nouer des alliances, où il faut savoir argumenter, avoir des partenaires, avoir un discours porteur et un discours qui rassemble, un discours qui captive. Tout cela vous permettra d'avoir la bonne posture de leader. L'évolution du leadership féminin au Sénégal a toujours certainement été en confrontation avec l'évolution du leadership masculin. Il y a plus d'hommes qui interviennent dans le milieu politique et qui mobilisent les acteurs autour de leur personne. Ça a toujours été le cas, mais il y a depuis certains temps des percées. Il y a des évolutions. Il y a une nouvelle prise de conscience qui fait que les femmes ont senti le besoin de percer ce milieu, de s'affirmer et d'aller à la conquête du suffrage de leurs concitoyens, soit en s'alliant avec des hommes qui évoluent dans le milieu, soit en s'affirmant en tant que leader et en allant échanger avec à la fois une mère, à la fois une épouse, à la fois actrice de développement. Toutes ces postures réunies en une seule personne peuvent créer des bouleversements, peuvent susciter aussi des envies. Et c'est dans ce cadre précis de renforcement de capacité qu'on va dévoiler le potentiel qu'il y a chez beaucoup de femmes, mais qui ne sont pas souvent placées sous le feu des projecteurs. Donc je félicite le projet pour ses initiatives. La question de leadership ne doit pas être une question de genre. C'est une question de capacité. C'est une question d'aptitude. C'est une question de volonté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne naît pas leader. On peut être homme leader comme on peut être femme leader. Tout dépend de ses ambitions, tout dépend de sa volonté à s'exprimer et à mettre en valeur ce qu'on a à proposer à la société. Si ce genre de rencontre est organisé, je ne peux que vous féliciter pour ces initiatives. Je ne peux que vous féliciter pour faire de ces femmes, au-delà de ce qu'elles sont, des actrices de développement, pour faire de ces femmes du département de Dagana des leaders accomplis, des leaders qui s'assument et des leaders qui veulent progresser.
Il ne suffit pas simplement d'être leader, mais il faut être leader et entraîner nos organisations, entraîner nos concitoyens dans une dynamique progressive, dans une dynamique évolutive. Et c'est ça le rôle principal d'un leader, c'est amener son collectif, son groupe, son organisation à évoluer de manière positive et à s'améliorer davantage, à avoir plus d'outils pour s'accomplir sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Je pense que la formation est la bienvenue. Cette session vous permettra de mieux vous connaître, de mieux connaître votre milieu, de mieux connaître votre potentiel et de mieux aller à la conquête de tous les milieux. Cela demande de l'engagement, cela demande de l'énergie, cela demande de la volonté, cela demande aussi de la patience. Et cela demande aussi de la détermination pour franchir tous les obstacles, parce qu'il y en aura. Il y aura des obstacles liés au genre, il y aura des obstacles liés à la vie familiale, il y aura des obstacles aussi liés à la vie professionnelle. Mais quelle que soit la situation, vous devez vous fixer des objectifs. Et ces objectifs-là, il faut les atteindre non pas seul, mais les atteindre de manière collective, ensemble. Et c'est ça le rôle principal d'un leader. C'est faire évoluer son organisation, c'est donner l'impulsion nécessaire pour que tous les talents contenus dans son organisation puissent éclore et devenir aussi des leaders. Et c'est avec une grande joie que je viens participer à cette rencontre. Et je vous remercie de ces initiatives. Je vous marque ma disponibilité à vous accompagner dans cette démarche. Merci. Jigéni, di dalal ñep di ñaan Yalla projet bi ñu commencé légui moy séminaire bi ñan ko ibé ci bismillahir rahmanir rahim jéxal ak alhamdoulillah rabbil alamin. Ma fi représente nak le maire et tous les conseils municipaux la fi représente. Alors salam on demande ki. Vraiment remercier li ma waxone légui rek ñi initié lu melni parce que li ma wax cette formation vient à son heure. Parce que ku ne xam na ni jigen limu meun beure na mais ragal affronter la réalité motax lu beuri duñu ko meuna def kon tay su fekke kan ni dañu am ñu ñuy defal formation en leadership pour que ñu meuna ñame affronter la réalité xol lan moy suñu problème lan moy suñu jafé jafé ak nan ban taxaway lañu meuna am pour que ëlëk ñu mën ko safra mais gëm aussi suñu bop xam ñun ñoy kan donc loolu da fay nekk lo xamanteni lo am solo la li ñu wax naan jang du wess parce que yonte bi sallallahu alayhi wasallam sax da fay wax naan sakku xam xam farata la ci goor ak jigen kon yaakar na ni suba suñu yéwo rek war nañu mëna di gën di jang kon vraiment garmi madame antassar diakko vraiment di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yalla yalla ñu yeggale ak jamm assalamu alaykum kon damay commencer samay nuyo ci monsieur le préfet du département de Dagana di ci tek madame le maire di représenter monsieur le maire Omar Sarr de la commune de Dagana di nuyo madame la première vice-présidente du conseil départemental de Dagana dis-nous la première adjointe et au conseil des collectivités territoriales de la commune de Richardton. Dis-nous madame Warendjai Kandi, chef au projet vie. Dis-nous aussi de remercier chef de service de concentré Fitog Yeputei. Di gërëm jigéen ñi fi nekk ñëpp aussi ak invité yi ak képp ko xamné rek
yëkëti nga ay djégo ñëw tay tok ci rencontre bi ñi wara def pour formation bi en leadership politique. Monsieur le préfet, damay wax né mbékté rek lay am toujours té bi moy ñentelu yoon bo xamantene ma ngi yëkëti sama tank ñëw fi ci commune Dagana ci lo xamantene ay organisation lañuy def jëmele ko ci jigen ñi nga xamné dañoo nekk fi ci département de Dagana. Buma waxé nak djégo yoyu dafa fekké né dañ koy def ci lépp lo xamantene luy jëmele kanam jigen la lu yok jigen ñi la lu yok seen deuguer lay seen taxaway puisque jigen ñi dañu am importance ndax même bo xayma ci population bi da ngay gis ne jigen ñi ñoo ëpp ci population bi kon seen gëdd seen taxaway seen worma dañ leen koy wara jox fepp fuñu wara nek ci Sénégal té defena lool buñ koy wax defena né état bi monsieur le préfet wax nga ko sank ay loi jaar na fi yu bari 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 yo xamantene yépp jigen ñi lañ ko jaglé parité baangi fi bien que nak amna djégo yu reuy ci dess té amna tamit lu dess mais li ci nek tamit jigen ñi ñi ci taxaw taxaway bu reuy mais nak ci fofu lay waxé né damay ñëw remercier chef de du projet bi bu voir leadership des femmes au Sénégal muy madame Waré Ndiaye Kandji li nga xamné tay dafa ñëw lonkolo ak association des femmes dugg ak liguey bi nga xamné dafa national fi ci département de Dagana pour ñu mëna def formation pour femmes département wi ci leadership en politique lonkolo ak afdal bobu nak madame Garni Mané nek coordonnatrice bu nek fi ci région de Saint-Louis en même temps madame Garni Mané nek présidente GIE dugg ak liguey fi ci Dagana kon dañuy gëreum di sante madame Waré monsieur le préfet defena yi soxlo nga ko bëgg nga ko fi ci département bi puisque jigen ñi yag nañ leen laisser en rade duñ leen bolé duñu bok ñi ngi ci développement bi té développement nak buñ koy wax aussi pour participer ci sa jëm kanamu réew la pan yi tamit ndax président de la république Macky Sall dafa wax territorialisation des politiques publiques manam lepp lo xamantene dañ koy def ci kaw yépp dañ ko wara wacc tamit ba ci souf bo gisé tay ma ngi au conseil des collectivités territoriales sama wette yoy yépp ci politique yi la pour gëna woné né jigen ñi dañu wara am taxaway bu dëgër bo xamantene war nañ def ci seen gox motax formation en leadership politique bi nak tay ñu indi ko fi ci goxu Dagana ah di yaakar nak né buñ fi joggé ah li ngeen fi jëlé ci ñaari fanu xam xam yi ngeen di def da ngeen koy taxawé puisque formation kenn du ko def rek taxañ sa ay keuy rek dem togg te do ko jëfé kon il est temps et il est l'heure pour que nit ñi mëna tok mëna xam nak seen leadership lan lañu mëna ko top ndax dañuy wax toujours instance de décision yi buñ kay wax dañuy né toujours goor ñi ñoo fay né buñ né terrain politique tamit goor ñi ñoo fay né té pourtant dé goor bu wara fallu wala goor guy wut loy def loy wut toujours ci jigen ñi ngay dem jigen ñi ngay talal loxo jigen ñi ñoo lay jappalé jigen ñi ñoy tax ndam la ngay wuti nga am ko kon nak jigen ñi tamit taxaw leen seen dëgeur lay ngeen def ko Garni Mané mi nak defena duma ko tag dama koy wax rek won ko ne ko lepp lo xoy tay bu ngeen ko deme ngeen xol ko tay diplôme bu ne amna ko ci formation tay fi ci Dagana GIE dugg ak liguey bi riserie bi teggu fi formation femme ñu koy def salon de coiffure tegg nako fi 13 hectares mi ngi fi yo xamantene dañ ko garantir monsieur le préfet pour les femmes 13 hectares kon monsieur le préfet madame les maires bu ngeen ci mëne japp 13 hectares ya ngi fi pour lan la jigen ñi def dañ ne bay dundé dañ ne autosuffisance alimentaire bala ñu koy wax dañuy wax aussi au moins ñu am sécurité alimentaire kon tay jamono bi ñu tollu fi ñu tollu metti na lool degg ngeen ko ñuy wax fu ne neen nañ ceeb amul soble amul te pourtant souf sangi fi organisez-vous ngeen liggéey ngeen bay ngeen dund ngeen jappalé seen bop bala ngeen di jappalé kilifa gi ci gëna kawé kon yoy yépp ci taxaway la loolu yépp ci formation leadership la bok pour ngeen xam fan ngeen wara taxaw ak lan ngeen wara def boudé ay financement rek madame Garni Mané def nako fi presque 1 milliard de francs CFA dugg na fi ci 4 communes mbir lor bokal Dagana ak Gaye yo xamantene 3009 femmes yo xamantene ñi ngi ci biir association des femmes dugg ak liguey engagé de liguey ñi ngi fi kon benen 6 hectares ma nga fa yo xamantene amna benn projet bo benn ONG tegal na len fa ñu mu tuddé pompe solaire
yépp nga fa ñi def maraîchage ma nga fa pour jigéen ñi la pour yeen la pour ngeen liggéey kon taxaw leen ngeen àndandoo joxante loxo ngeen bokk lépp ngeen xam ne lépp lu ngeen di def monsieur le préfet wax na ko man kenn may def njëriñ li du bëri da ngeen di àndandoo pour ngeen mën ko def pour njëriñ li mën a ñëw ci seen loxo kon damay wax ne maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp monsieur le préfet maa ngi lay gërëm bu baax ci sa teewaay fii temps bi manqué na mais ñëw nga madame Garmi Mané envoyé na aussi courrier aux différents sous-préfets pour que jigéen ñi fi nekk tamit ñëpp ñu gën a taxaw taxawu parce que waaloo ngi fi fleuve baa ngi fi suuf saa ngi fi mais bu ñu toogee dañuy gis ne dara jóge bu fi autosuffisance Henri bi président doon wax tamit yépp a ngi nii pour ñu atteindre ko c'est tout un problème tool yaa ngi fi farlu wen liggéey rek la nag ñàq jëriñu bu ngeen ko deful du ngeen ko am financement yi ñu joxe tamit bu ngeen ko dugalul fa ngeen ko war a dugal tamit résultat fruit ya ngeen cay am du am te bor yi day nekk ca projet ya ak ci mutuelle yi bu ko defee bu ëllëgee ngeen ne dañuy appauvrir kon nag monsieur le préfet damay yemale foofu ngërëm li di gërëm ñëpp di sant ñëpp chef de service départementaux yi di yaakaar nag ne vraiment li ñu fi bëgg yàlla dinañ ñu ko defal kon maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp Madame la ministre, je suis venu à la maison de la docteur Antessa Diako. Je suis venu à la maison de l'Afdal. Vous êtes l'initiatrice. Je me suis dit que je suis venu à dans les zones rurales. Je suis venu à la maison de l'Afdal. Je suis venu à la photo. Donc bayi nga ay djégué yu am solo ci courélu djigen ni donc ma contane lol ci biñu bokké journée bi tay ma déllu nuyu madame le maire di la jox yow tam sa waccu way di nuyu représentante au conseil départemental représentante au conseil collectivité territoriale mom sax la na doon tambalé déllu ñëwé ci autorité yi nek ci biir salle bi les chefs de service wa membre GIE bi ñëwaat nag jël nuyoo bi yëpp jox teg ko ci loxo madame la présidente de l'AFDAL di la sargal di nuyu tam suñu formateur xam naa ne que lu am solo dinañ ko fi am tey man lu may def rek mooy wax leen tuuti ci projet VLF voix et leadership des femmes au Sénégal dafa doon projet boo xam ne dafa nekk ci fanweeru dëkk ak ñett ci àdduna gi gouvernement Canada moo koy financé donc ñu ñu kontaan lool ba nga xam ne dañu bokk ci fanweeru dëkk yooyu ak ñett fii ci Sénégal di ci def liggéey bu am solo dëkk yu ne nag am na ay institutions yu différentes yoo xam ne ñooy doxal foofu projet bi soo demee peut être RDC centre Carter moo ko fay doxal Oxfam dafa nekk institution boo xam ne ñu bëri xam nañ ko moom mooy doxal projet bi au niveau du Burkina fii Sénégal Mali ak Haïti dafa am benn institution bu tudd le centre canadien d'étude et de coopération internationale le CECI moom mooy tër doxal projet bi fii donc man CECI lay liggéeyal CECI doon institution boo xam ne mu ngi Sénégal depuis 1984 ñu bëri sax ci zone rurale yi lañ ko gën a xamee donc projet bi mu ngi Sénégal depuis 2018 ci tënk ba tënk rek dañuy liggéey ak fan ñaar fukki kuréel ak juróom à travers le Sénégal ñoom dañoo postulé woon ñu tànn leen pour ñu mën a bokk ak ñun mais si biir projet bi dañuy am ñeenti fonds yoo xam ne dañ ko jagal jigéen ñi benn ci fonds yi mooy lu ñuy wooyee fonds pluriannuel fonds boobu dina dem ba 200 millions par an ci plan kuréel yooyu nga xam ne ñoom la ñuy jàppale di dinaa leen wax lan moo tax projet bi ak lu tax ñuy jàppale kuréel yooyu ñaareelu fonds bi dafa nekk fonds bu ñuy woowee fonds rapide et réactif parce que projet bi si li ma ci bëgg a ñëw dafa bëgg a gën a redynamiser mouvement associatif féminin au Sénégal jàppale kuréelu jigéen ñi te dañu xam ne ne nekk mënuñu redynamiser kuréelu jigéen ci taxaw rek ci ñaar fukki kuréel ak juróom moo tax fonds rapide et réactif boobu ñëw ñu ne suñu mënee bëggee jàppale yeneen kuréelu jigéen il faut que ñu am fonds boo xam ne dañ ko fiy teg koo xam ne da nga bëgg a liggéey nga bind ñu ne ñu ah man de am na lii ak lii laa bëgg a liggéey ñu mën a xool sa ay dossiers financé la fonds boobu nag moo tax ñu toog fii tey mooy fonds rapide et réactif boobu ñu am yeneen ñaari fonds benn bi dafa nekk le fonds de renforcement de capacité moom la ñuy utiliser
pour renforcer suñu ay courriel ak luñu woyé le fonds réseau mu am un dernier fonds buñu woyé le fonds pluriannuel dafa nek fonds bo xamné dañu bëgg ay partenaires de développement secteur privé dugg ci bir fonds bobu lepp rek ngir mëna jëmele jigéen yi kanam fonds bobu nak lancé guñ ko inshallah suñ ko lancé di ngeen ci xam dara wayé lutax projet voix et leadership des femmes au Sénégal sank monsieur le préfet je vous remercie d'ailleurs pour le cours magistral sur le leadership dañu xamné né nek suñu bëggé améliorer ore communauté yi il faut que ñu jaar ci jigéen yi té jigéen yi naka moy kurélu jigéen yi ñu nak suñu liggéey ku nekk ngi améliorer condition wu jigéen yi ak communauté yi ni ngi koy défé so déggé oustaasi sax su subatel dinañ jël di ci wax ku ci nekk yang ci def sa domaine monsieur le préféré yang koy def ci sa domaine ak ñeneen ak ñeneen ñun ñu xamné projet wu juromi at mënuñu ci def lu bari ñu focaliser ko ci ñetti fann ben fann bi moy le renforcement institutionnel et organisationnel des organisations de la société civile de femmes monsieur le préfet defé nané suma jangaté touti liñ fi wax tay ci leadership personnel sax nga gëna développer mais ñun leadership organisationnel institutionnel lañu jëm ñax dañu bëgg kurélu jigéen ñi gëna jëm kanam nak lañuy gëna jëmé kanam moy manuel de procédure sen gestion administrative comptable ndax dañu gis né nak kurélu jigéen yi dañuy yag di liggéey jigéen yi am nañ ay djégu yu bari yo xamné dañ def nañ ko fi wayé jigéen kurél yoyu so fa duggé yo xamné ça existe depuis 1984 depuis 1992 lool la ci ñu la ah madame la présidente dafa dem mak baye bu ci démé mak ba ñew ñu djéma sét mom dina am information bi dina ñu jox wala ñu né la ah mom dé da fébar da sa fé 3 mois kurél bi dématul ñu ngi xaar ba inshallah ba yalla fëgg bopam ñu xamné nak loolu mënul way té loolu mo bok ci li di soxé suñu ay kurélu jigéen donc dañu bëgg professionnaliser institutionnaliser suñu ay kurélu jigéen yi jaarale ko ci ay mécanisme moy lima fi wax légui xayma sentu li nga xamné mom ngay liggéey moy système de suivi évaluation apprentissage nga xolal sen gestion comptable stratégie de communication communicant yi nga xamné ño nek ci bir salle bi parce que kurélu jigéen yi bala ngeen ni dem ci média rek fekk média yi wo lañ mais da ngeen nara am stratégie de visibilité pour mëna woné li nga xamné mom ngeen ni def lolou yeb dañ ci accompagner suñu jigéen organisation yi ak leneen ak leneen xeyna lolou rek la ci mëna dugg ci gestion admin compte institutionnel bi mais amélioration institutionnel bi dem na tam ci jigéen yi am place parce que jigéen yu bari amuñu siège bo xamné fofu lañuy liggéey té siège bi dafa bok ci li di crédibiliser institution jigéen yi surtout jigéen dafa soxla fo xamné dañuy dajé deug le covid bi won nañu né mën nañ dajé virtuellement wayé jigéen yi humainement xam nañ né ka dañ soxla di dajé so amé lu la metti soy tagone ma ngi dem marché so yoré sa leket nga jaar ci garmi ci siège ba pa ci kërëm mais ci siège ba ñu liggéey li jëm ci lañ fay wax ci sutura nga jëlat sa leket dem lu bari dina am lo xamné dina téggé ci xolu jigéen ni waxatuma la nak li nga xamné ñu am siège bu melni mën fi def formation donc loolu yépp dañ ci taxaw suñu kurélu jigéen ni deuxième volet biñu leen di taxawoo mo li ñuy wowe ñun amélioration des offres de service moy lan am nañ fi instrument yu melni le Sénégal plan Sénégal émergent dañu bëgg li ngeen ni liggéey ngeen man ko waxé né ñun dañ koy défé ndax mais ngeen tënk ko ci ay document ay instrument li ñuy wowe internationaux nationaux régionaux qui régissent le travail que nous faisons moy li ngeen ni def ni formation bi amna fuñ ko tëgg c'est suñu plan Sénégal émergent amna ben instrument bu pok togg bu tudd LASNEC notre stratégie nationale d'équité et d'égalité de genre fofu ngeen koy duggal pour woné né que yeen instrument be yeen ci contribuer ci améliorer lu ñuy wowe le capital humain moy capacité jigéen yi donc lolou lepp nga xamné jigéen ni mën nañ ko wi mën nañ ko parce que kurélu jigéen ñu ngi lay ñu ngi liggéey depuis des années mais dañ leen dañu gëna bëgg ñu xam instrument yi nga xamné moy régir liggéey bi nga xamné mom lañuy def té ginnaw li nga xamné mom lañuy def ñu gëna am jumtu way ba paré gëna am koppar gi nga xamné mom lañ leen di taxawoo motax ñom dañu am ay plan ci li ñuy leen di financer ci 200 millions de francs CFA yoy ma fi wax légui donc dañ leen di accompagner sur une base annuelle pour sen plan yoyu ñettel bi nak moy le plaidoyer dañuy wax naan projet bi yépp taxawu jigéen ni ngir lan dañu am ay loi yo xamné dañoo dëgeur ci par rapport ak jigéen ni suñu ay kurél xayma xolaat loi yoy tégg ci ñett yo xamné né nañ ah fi ba projet bi jeex bëgg nañ wax ci loi yoy xeyna ma wax ci ñaari loi yi benn bi moy du sax loi dañu gis né que jigéen ni amuñu part ak rôle ci instance de gestion des ressources naturelles bi instance yi pétrole bé gaz bi cos pétrogaz ak contenu local bi ana ci rôle jigéen ni ci biir ñu bëgg nak jigéen ni gëna xam biir mi gën ci mëna dugg parce que ñëpp nar nañ ci mëna am rôle ak responsabilité am ci part ci biir benen bi ci loi yoy moy luñu wowe article
196 du code de la famille article bobu ñu bari xam ñu ko dafa doon article bo xamne ci suñu code de famille day téré xalé dem séti bayam ko xamne xamnañ ne ke xeyna ñaar fukki at ci gannaaw mo doon and ak sa yaay guñu gi day ñurol nak waaji waye amul droit né nek ki moy sama baye té lolu amna ay conséquences ci yu bari ndax té nit ki su féké né reconnaître lo sa dom ci ba muy judd xamnañ conséquences yu bari ak état civil bi donté état civil bi sax amna luñ ci gëna améliorer mais bëgg nañ dal article bobu ñu xolaat ko donc xëñu ma teunk ba teunk projet VLF lan lay def mais monsieur le préfet xamna né nek da nga xawa japp mais nga mayat ma yenen ñetti minutes ma mëna ñëw ci projet bi li ñuy def dañ koy and ak ay approche ben ci approche bi fa lay ñëwé ci leadership bi ñun waxatu ñu leadership ñun leadership transformationnel lañuy wax dañu bëgg wax né nek yeen ñi taxaw di xol sen maire nan ko suñu koppar fan nga ko duggal di xol suñu ay gouvernement dina di len nan yeen ñun suñu ay ressources fan ngeen ko duggal bala ngeen len di joxagne di taxaw sen kanam ñu ne bala nga laax jaay nga laax lek yeen ñi sen ay courel ay institution ngeen comme gouvernement bi nek institution naka ngeen ni améliorer sen ay institution ngir mëna taxaw ak gouvernement wala sen ay localité rendre len redevable lolu moy sen leadership il faut que mu transformationnel il faut que ngeen bolé ndaw ñi ci sen ay courel parce que jigéen ni sen courel yi dañuy gis ne que mak ñaangi ci biir il faut ngeen def transfert de compétences lolu yépp ci leadership transformationnel bi la bok leneen li dañ gis ne que li ñu doon gëna jëmele kanam moy nañ boole goor ñi ci li nga xamne mom lañuy def ndaxte bok nañ ci liggéey bi motax suma ñëwé ci jotaay monsieur le maire nga tok dañ ci sante di la gëreum ñu gis ay représentants institution doon ay goor dañ ci contane parce que moy li ñuy wowe ñun les masculinités positives instant yi au moment où on parle le président de la république dans son mandat à l'union africaine jël na masculinité positive tek ko ci kanam ndax xamne ne ko goor ñi taxawu jigéen ñi and ak jigéen ñi sen combat dafa doon lo xamne moy jëmele réew mi benen ci approche bi moy l'intersectionnalité kep ko xamne ñu lay xokatal ci bir gox goxani femme handicapée yi ñen leen bayyi xel ci liggéey bi nga xamne ñu koy liggéey ñi nga xamne dañu am ay albinos lañu ak ñeneen ak ñeneen neen xol ci suñu gox goxani ñan lañ fi xokatal ñu bayyi leen xel ci li nga xamne mom lañuy def bu mujjé bi rek moy l'innovation té monsieur le préfet fofu la lay gëna rejoindre bi nga waxé par rapport au temps en ce moment ñun au projet VLF dañ nan innovation soko waxé ñu nan technologie né le réseaux sociaux innovation léré dafa doon nga dé sétat suñu baxu mam ya la néwon ci gannaaw nga indi wat ko tay ji da ngay dem atelier xégné sax so serviron laax ngënde laax ndikki wala nga indi kinkliba wala nga indi lipton soko tege ñu la ah yow li mom c'est authentique de c'est innovant li moy innovation donc suñu innovation buñ ko sété ci kanam nañ ko sété ci gannaaw donc tay ji ni en parlant de leadership dans une contrée aussi emblématique que le wallo du 7 mars yeen jigéen yeen mom leadership defena dañuy jéxé wat rek tay leadership politique bi ak lepp lu ci top mais yeen mom leadership le leadership il est en votre sein il est ancré en vous donc pour ñëwaat rek innovation bi ñun au sein du projet VLF changé nañ sax procédure ñu ñi défé sax ouverture officielle de suñu né 9h puis dañuy commencer su dé ñaari nit sax dañuy tambalé ñëw ku ñëw xamné nak fekk nga ñu légui autorité yépp suñu ñëwé ben moment nak bañ mu jox ñu né nak mën nañ tambalé ñu tambalé c'est pour vous dire que nous sommes d'accord avec vous par rapport au temps té fonk temps motax man sama wal bop tay 8h58 la fi taxaw ci buntu bi c'est pour parler un peu de l'innovation pour du sax dem séti lene nañ ñëwaat en centré wat suñu façon ak suñu façon de faire ak lepp luñuy def et enfin li metti ci zone bi tay wax nañ fi hectare no leen amé hectare c'est la volonté politique qui vous permettra de l'avoir donc luñu mënta def à la kulli hal il faut être dans les politiques pour pouvoir contribuer aux décisions mu collectivité territoriale di assemblée nationale ba nga xamné c'est dans ce cadre là que vous avez développé votre initiative donc ñun jigéen yi dañ leen di encourager képp ku ci bëgg dugg politique nang ci duggal mais dans le leadership transformationnel faire la politique autrement en prenant en compte les contributions les besoins de vos populations que vous représentez ma ngi leen di sante di leen gëreum wa salaam commune de Dagana, Madame le maire de la commune de Dagana, Madame la présidente départementale du conseil départemental, Messieurs les chefs de services départementaux, chères autorités, honorables invités, chères participantes, je voudrais au nom de l'association des femmes de Gou Agligué
de Dagana, ainsi qu'à mon nom propre, adresser mes salutations les plus chaleureuses, mes souhaits de bienvenue les plus ardents à vous qui avez accepté de venir d'une façon spontanée répondre à cette cérémonie. Je ne doute pas de votre disponibilité et de votre sollicitude dont l'expression s'aperçoit d'une façon très nette par l'acceptation de cette invitation. Chères autorités, chères femmes, je voudrais aussi renouveler mes remerciements et ma satisfaction auprès de vous, Madame la chef de projet VLF, pour l'organisation de cette rencontre dans la commune de Dagana, qui sans aucun doute contribuera à promouvoir l'autonomisation des femmes et à réduire ainsi les inégalités de genre. Aussi, en tant que femme, je suis ravie et fière de vous de nous retrouver aussi sous le signe du savoir-faire féminin en rapport avec l'entrepreneuriat, gage de notre autonomisation économique, constitue la condition sine qua non de notre liberté et de notre accès réel aux droits fondamentaux. Chères autorités, chères femmes, les intérêts et préoccupations des femmes ne sont pas très prises en considération lors de la prise de décision, et celles-ci ne peuvent pas influer sur les décisions clés qui sont prises dans le domaine social, économique et politique et touchent la société tout entière. Les initiatives visant à renforcer la participation des femmes dans les structures de prise de décision ont été retardées par de nombreux facteurs, dont le manque de moyens humains et financiers destinés à la formation, aux carrières politiques et à la sensibilisation, et le manque d'engagement des responsables politiques en faveur de la promotion de l'égalité entre les sexes et la participation des femmes à la vie politique. Ce présent projet vise à trouver une solution au problème de participation des femmes en général et celle du département de Dagana en particulier. Cependant, il serait édifiant par ailleurs d'évoquer les étapes significatives qui ont conduit à la mise sur pied de l'AFDAL à Dagana. L'association des femmes de Gouagligay, dénommée AFDAL, est une initiative de Dr. Anta Sarr Diako, ancienne ministre de la Femme, de la Famille et ancienne directrice de la protection sociale, déléguée générale. Elle compte 3009 femmes dans le département de Dagana. Elle a pour objectif de promouvoir l'autonomisation socio-économique des femmes par le biais des mesures de promotion de leurs conditions d'existence et l'amélioration de leur accès aux opportunités d'emploi et de création de recherche. Elle travaille à insérer les femmes entrepreneurs dans les chaînes de valeur agricoles et participe à l'effort de développement national à travers le renforcement de capacités d'organisation et de gestion des femmes. Depuis son implantation, les femmes n'ont ménagé aucun effort pour sa réussite, ce qui leur a valu des accompagnements techniques, financiers et notamment ce projet VLF relatif aux femmes. Enfin, chères autorités, Madame la chef du projet VLF, chers participants, la pleine et égale participation des femmes et leur leadership ne sont plus une option. Ce sont des nécessités urgentes. Si nous voulons réaliser les changements structurels nécessaires à tous les niveaux et dans tous les domaines de la société en faveur du développement durable. Il est de notre intérêt d'avoir confiance en nous et de penser à nous-mêmes. Ce n'est pas un péché de croire en notre avenir, car l'environnement international, régional et national nous est favorable tant sur le plan juridique, politique et économique. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le préfet, Monsieur le préfet, je vous remercie de sa présence parce que maintenant, aujourd'hui, c'est sa première activité sur mon jour de Dagada. Je vous remercie de vous remercier. Je vais commencer par remercier Dr. Anta Sarr Diako, ministre Anta Sarr, parce que aujourd'hui, je suis ici dans la commune de Dagana, invité ses participants, c'est grâce à elle, si Tourou AFDAL, Association des femmes de Gouagligay. Parce que sank wax na ci man waye dañ ne peccum lir bu nexé ya ja japp ci mbagay lepp lo xamanteni def na ko dans la commune de Dagana mais dans le département de Dagana c'est à cause de cette association qu'elle a mise en place au niveau national, régional et départemental qu'on manqué gërem diko sante di am en face de moi Maymouna Sy moy la coordinatrice nationale man buma nekké Dagana fi nek coordinatrice régionale elle est la coordinatrice nationale de AFDAL. Li may def Dagana mom lay def Dakar kon tewna fi tay dam ci contane bu baax diko wax di yal nako yalla jappale ci limuy def jappale ñun ñep waye madame le ministre monsieur le préfet
madame Ndiaye su fekkone tane dafa jël programme bi def ko ci tiroiram kenn du ci jot su fekkone dafa jël programme bi and ak ay mbokam diko liggéeyo kenn du ci jot programme bi ci WhatsApp la ko joté kon moy wone wërna aduna kon moy wone ne limuy liggéey ñepp xam nañ ko mour la dem kimako jox jurbel la dekk muy ben point focal radio mo mané comme da nga yoré organisation de femmes programme ngi ni war nga ci mëna def dara c'était le 6 juillet yalla def ñu ki ay le 19 man ci dogo jot ndax mëno nañ né dédét mais comme elle vient de dire néna dafa bëgg jigen ñëpp ñu leen di jox seen ak ak seen yellef parce que ñun kat xam lañ ko ñun jigen ñi fi nek dañu ñun ñoy moteur de développement mais nit ñi dañu bayyi ñu dess ginaaw té lool ñun dong ñoko mëna def di wax né que monsieur le préfet tégalé bu jéké bolu jitu la kon participants yi fi nek yépp sont mes sœurs mes tantes ño fi nek ma yag and ak ñom di liggéey dans le cadre du développement ma yag di liggéey ñom ci fan yu nek kon tay suma fi taxawaté ni tay wolé nam sen intérêt la way su len neexon ñu tok mais dañu ñom parce que ni xamna soxol nañu dagana dafa nek lo xamanteni département la jigen yi kep ko fi falu ñoy falet kep ko ñu fal jigen la fal mais ñun jigen yi ñun ñoy top ci ginaaw goor ñi di len taccu bu fal joté ñom ñoy tan ku len neex fal len kon lolo fi wara jeex mënon nañ fi gëna wax xeyna pression bi la mais di wax ni rek ni nonu dem dans la solidarité dans un engagement mutuel am ben volonté xatchando dorando pour que triomphe les idéaux de la démocratie et de la bonne gouvernance gage d'un développement durable ci bir lolu monsieur le préfet sunu formateur bi major ñong koy gëreum di ko sante parce que dañu ñëkkon jël ben formateur formateur bi tok ba 2 jours mu wax ñu il est malade buñ ko woyé avec toute une disponibilité dafa d'accord pour se déplacer de Saint-Louis à Dagana pour ñeu défal ñu formation monsieur major ñong lay gëreum di la sante di gëreum tous les chefs de service départementaux yi fi nek tous les maires képp ko xamanteni déplacer nga ñeu ba fi rek ñong lay gëreum di la sante monsieur le préfet di sante ñëpp di gëreum ñëpp bayiwuma kenn wa salam merci beaucoup ma ngi leen di nuyu ci sen tour ak ci sen sante di rafetlu initiative bi li mo ci gëna japp moy formation bi objectif bi moy renforcement de capacité des femmes mais plus li nek sama xel moy pour une meilleure gouvernance de nos organisations de femmes et une meilleure prise en charge de nos préoccupations. Defenani lolu lo wax bi teunk. Donc ce n'est pas seulement une formation pour en leadership politique mais une formation en leadership tout court. Defenani ñi fi intervenir yépp notamment la coordonnatrice du projet moy nañuy fexé ba nam jigéen yi am nañ pass pass mais ñu gën leen dëgeural ngir ñu gëna dëggal seen bop defé na ni man loolu la japp ci wax ji ñu gëna dëggal seen bop nak moy duma wax ni jigéen yi seen bëgg bëgg seen yéene kenn musu ko jël en charge xeyna duma tenir discours bop man duma ko waxé non man limay wax moy jigéen yi waru ñu xaar ñuy jël en charge seen préoccupation ñom ñoo wara manifester la volonté pour que ñinn ñi xamni ñu ngi fi ta am nañ baat ci dëkk bi defé na ni tank yaangi xaar ñu dimbali la wala ñu taxaw la rek yaangi nekk ci ben posture de handicap c'est-à-dire yow lotal nga sa bop yow tek nga sa bop obstacle ak entrave parce que yaangi xaar ku la dimbali ku la yëkëti ku la soxali ak ku la yëk waratul démé non parce que dañu japp ni buñu défé recensement de la population du Sénégal 51 à 52% ay jigen nañ donc du composante bo xamni dañ ko ci wara bolé composante bo xamni si la bok ba paré composante bi nga xamni nak si la bok ci société bi dafa wara dëggal bopam nan lay dëggalé bopam moy du tek bopam ci posture de concurrence ou de rivalité ak ñenen té day tek bopom ci ni mom ak ñenen ñepp ñoo yem té ñoo tollo
ñoo bokk ak ak yelef li société bi nangul ben wall bi société bi warna ko nangul mais si kaw mom mu manifester volonté pour que société bi nangul koko motax buma déggé ñuy wax sank ba légui une prise en charge des préoccupations des femmes man dama koy waxé nenen fi ñuy nassé du noti jigéen yi war nañ fa tok waxal fa sen bop lan moy sen yéné ak lan moy sen bëgg bëgg kenn waru len ko waxal ba koy prendre en charge ñoko waral waxal sen bop parce que liñuy dund ñom ñoko gëna xam kenen ñuy liñuy yek ñoko gëna xam liñu soxla tamit pour mëna épanouir ñoko gëna xam donc ñom ñoko wara waxal sen bop lolu nak mi ngi jaar ci lima waxon sank rek nga xam sa bop xam yaay kan xam fi nga bëgg yegg ak lula fay yeggal ak lan moy nek jafé jafé pour que nga ag fa sank sama intervention defena ni ma ngi mettre l'accent sur à la fois le leadership personnel mais leadership personnel pour femme de développement du yam sexe ci leadership da fay nek leadership organisationnel xeyna mom nga waxé ni leadership transformationnel mais ci lima gëm moy bobu ba légui jot nañ def ay djégo pour que jigéen ñi sen taxaway am solo ci société bi légui dess na nak combat bi dañ ko mené en collaboration ak goor ñi ba axe fi légui na dess na combat bi ñom ñu portel ko sen bop pour que ñu yeggé ko fuñu bëgg mu yegg amna ay points yu bari yo xamni soulever nañ ko fi lolu yépp da fay wone que ni rek dess na ay djégo tamit yu ñu wara def motax sank ma ni ça demande beaucoup de patience parce que da fay nek changement de paradigme changement de mentalité té lolu du luñuy tabax ci ben wala ñaari at luñuy tabax ci ay at la ay génération ño xex mëna ci joxe exemple exemple ñom Aminta Meng Ndiaye honorable Aminta Meng Ndiaye def nañ ay djégo ci sen jamono yeen ngeen ñew madame le ministre ak génération def nañ ay djégo ba yok djégo yi waye génération bu bess bi ñew tamit war nañ leen gëna renforcer pour que ñu xam déjà les acquis xam fiñu jotta jaar ba axe fi ak liñu jotta daj ba axe fi ak jamono ji lan nañ ci wara yok pour que defaat yenen djégo yu am solo motax bimu waxé sank ni innovation bi du luñuy wouti fenen mi ngi suñu biir ba paré ci biir couleuru jigéen ni lool yépp da fay déllu soit ci lima wax lé xam sen bop bo xamé fi nga joggé ak ñi def ay djégo pour que nga axe fi ak liñu ñak ak choono biñ ci daj ak liñ ci ñak defa na ni boy bo sukkandiko ci ñom rek mën nga defaat ay djégo jëm ci kanam lool yépp nak defa na ni buñ ko tënké ci projet bi session bu am solo la té ñun war nañ ko féké en tant que autorité parce que tamit ñun ni ko madame le ministre waxé président de la république li tax mu tek ñu fi moy ñu togal fi askan bi di len déglu di len xamal té sen bëgg bëgg ak sen yéné luñ ci mëne ñu dox ci ay djégg luñ ci mënul ñu yeggé ko autorité yi nekk ci kaw bu boba solution yi dina genn té lépp lo xamné préoccupation la pour jigéen yi nekk ci département bi suñu préoccupation la donc dina bax ñu téwé ci waxtané li nga xamné mo soxal jigéen parce que li soxal jigéen ni mo soxal askan bi yépp parce que jigéen dafa nekk ci au cœur des politiques publiques de l'état bu ñuy wax projet de renforcement de l'éclairage c'est plus de sécurité
pour sa sécurité, pour sa njabot, et ci jigen ni et ci njabot. Bu ñuy wax désenclavement, xam ñep xam nañ ni ci tool yi jigen ni ño fi nek di bay bare nañ ci té ñu ngi def transformation, ñu ngi def culture vivrière. Té lolu buñ ko xassé ba bay soxla nañ ay yoon yuñ koy acheminer pour mëna def commercialisation. Ñu ngi wax adduction d'eau. Jigen ñi nek ci tool yi di bay soxla nañ ndox. Donc lepp lu état di def mënuñu ci génné jigen ñi parce que jigen ñi ñoo ëpp ci population. Donc ñom en priorité ñoo tax ñukoy def. Donc question yoy nak fuñ koy débattre ñun dañuy ñëw téwé tok bokku ci waxtaan bi joxé ci suñu xalaat ba paré jang ci yeen tamit parce que relation interactive bobu mo ñuy permettre ñu mëna xam ñun tamit suñu jigéenu département bi lan lañuy yek lan moy seen bëbët lan moy seen bëgg bëgg ak lan moy seen jafé jafé parce que bu féké ni objectif final bi moy faire des femmes du département des leaders warna mëna xam lan mo tax les femmes de mon département déssé nañ nek ay leaders te bobu bu boba si waxtan bi force di ngén laal ci jafé jafé yi ngén di dund ak amna ñu wax déficit d'accès au financement nam financement am mais xeyna doyul mais wala bok ni mu wara yeggé ci jigen ñi nek ci gox goxani xeyna yeggé gu lolu question de développement la warna féké fuñ koy waxtané bu ñuy wax que ni jigen ni peut-être préoccupation d'ordre sanitaire xeyna mën leen entraver ba sen activité génératrice de revenus sax duñ ci nek ndax amna suffisamment de structures sanitaires yu leen mëna prendre en charge lolu question de développement la et de politique sociale et de politique sanitaire donc lolu mo justifier sama présence fi donc ma leen di marquer toute notre disponibilité à vous encourager à vous accompagner aussi lepp lu li conclusion aussi si formation bi rek bo len ñuko yeggé dinañu amal njëriñ parce que ñun tamit dina tax ñu gëna xamaat fan lañuy tek suñu tank ak nit ñi orienter état nan lañuy mëna fexé ba préoccupation askan bi surtout jigen yi nek ci département bi ñu mën ko ci gëna fësseul pour que état gën leen mëna taxaw te defena ni lolu moy suñu liggéey lolu moy suñu mbébé donc ma ngi leen di remercier si invitation yi ak si contribution yi bëggon na tok agalé waxtaan bi ak yeen mais amna ñeneen ñu may xaar xamna ni ba comme ay goor nañ rek dina leen mocc en tout cas ma ngi leen di remercier.